troisième jour ici, Chicago Barber Camping, ici avec Derwan. Je viens faire les épaules, c'est pas le groupe, donc je suis avec lui. Hier, il était avec Tinder pour le dos. Donc on va faire les épaules comme je disais, on commence avec le mouvement de l'élévation latérale là, sur la machine. Donc là on essaie de vraiment pré-fatiguer les épaules avec un mouvement très très strict et un mouvement lent. Personnellement vous savez que je suis toujours en détox si vous avez suivi les dernières vidéos. Donc je suis au 7e jour aujourd'hui. Donc je faste pendant la journée, je suis à jeun. Je bois juste un jus citron avec du comment on appelle ça, sirop d'érable et le poivre de cayenne. Et donc c'est tout ce que j'ai pendant la journée. Je mange le soir, juste repas végétarien. Donc pas de protéines, il faut vraiment nettoyer tout ce qui est à l'intérieur. Donc j'essaie de pas détruire la masse les fibres musculaires pendant ces deux semaines où je vais faire ça. Parce que je peux pas vraiment récupérer et créer de la masse musculaire. Mais je vais continuer à créer du mouvement, avoir du sang dans les muscles et continuer à m'entraîner. Donc je fais un mouvement très très lent. Donc je fais des excentriques slow. Pardon, lent, c'est en anglais slow. Et puis ça te permet d'élonger les fibres musculaires, les ouvrir, comme ça quand je commencerai à manger plus et pousser plus lourd, ça sera prêt à travailler comme il faut. Donc aujourd'hui on commence avec ça pour pré-fatiguer l'épaule, on va faire 4 séries, c'est parti. Deuxième exercice les gars, c'est parti, on fait des élévations latérales avec les haltères et là on fait une version qui est extrêmement stricte, donc on tourne vraiment les mains, donc les pouces vers l'un vers l'autre pour vraiment engager le mouvement depuis les coudes, ça permet de vraiment isoler on appelle ça le cap de l'épaule en anglais, vraiment donner cette rondeur, ce pop sur le côté, donc qui vraiment fait ressortir les épaules, tout qu'on est vraiment sec, donner vraiment cette rondeur. Donc, le fait de faire ça comme ça, ça isole à fond la partie médiane des épaules. On va faire 4 séries ici, extrêmement lente, vraiment contrôlée et poids léger. J'ai pas fait les épaules depuis un peu plus de 2 mois, parce que j'essaie de grossir mes bras d'abord. Je les ai fait la semaine passée pour la première fois, je suis en train de me. On essaie de faire des séries très lentes, comme je vous ai expliqué. Donc voilà, c'est parti.
troisième exercice, on fait un mouvement de presse à l'épaule. De nouveau, comme je vous l'expliquais, moi je fais très lentement le mouvement. Je ne sais pas détruire les fibres musculaires. Mais super congestion, vraiment garder le coude en dessous de la poignée pendant tout le mouvement. Ça doit vraiment être droit en dessous. Donc là, on a un angle légèrement vers l'arrière. Donc il faut garder vraiment le coude vers l'avant pour pouvoir toujours être en dessous pour que ce soit vraiment le plus efficace pour travailler sur l'épaule. On va faire 4 séries là avec Derwan. On va passer à la suite. Exercice suivant, on fait donc un mouvement de tirage à la poulie verticale avec les poignets. Vous l'avez sûrement vu plusieurs fois déjà dans mes vidéos, c'est un excellent exercice pour les arrières d'épaule. C'est mon exercice préféré pour l'arrière de l'épaule personnellement. Je trouve qu'on le sent vachement bien. Vraiment la clé du succès ici, c'est de garder, de vraiment ouvrir les coudes pour que les coudes soient dans un alignement avec, avec l'épaule. Comme ça, on peut vraiment travailler l'arrière d'épaule. Si on descend le coude trop, on va tirer sur le dos et pas l'épaule. Et du coup, vraiment tirer les poignets au niveau du visage et garder les coudes hauts, vraiment travailler l'arrière d'épaule. Donc là, la clé, je vous ai dit, coude au niveau de l'épaule et séparer les poignets avec les mains, c'est vraiment les séparer, tirer au niveau du visage. 4 séries, 12-15 répétitions, super sensation, essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Make sure your elbows are aligned with your shoulders when you pull, and like pull to your face. So you're gonna have to lean back, like sit forward, so you can really pull straight down to your face, and like elbows open. Like if you pull here, it's gonna be your back. Right here. Are you resting on this? Yeah. So, when you come down, you're out like this. Yeah. Oh, gotcha. You wanna drop the weight or? No, I'm good. Thank you. It's spread them apart. I want to lean back more, yeah, right there. Yes, open those elbows more, yeah. And just, yeah. Right there. Yeah, okay. Spread those handles apart. Yeah, open those elbows. Yes, more, open them more. Yeah, right there. Yeah, right there. Yeah. Open them more to your face. Yeah. Yeah, good. Yeah, it's good. I have to.
I got you. Okay. So really keeping open. Yeah. Gotcha. Yeah. Because otherwise, if you drop your elbow, you're gonna be on your back. Gotcha. And you can't really just feel the real delt. Yeah, I can feel it. Yeah. Gotcha. Et pour finir, on fait les trapèzes, donc on fait sur une machine. On peut faire ça avec des haltères aussi. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup la prise neutre, marteau ou neutre, comme vous voulez l'appeler, comme vous voulez. Je trouve qu'on sent mieux l'activation des trapèzes de cette façon-là, plutôt qu'avoir une pronation qui est un peu bizarre ou moins naturelle. Donc, soit avec des haltères, soit donc une machine comme ça, juste vraiment tirer. Là, on essaie de s'incliner légèrement vers l'avant. Comme ça, on peut tirer pas seulement vers le haut, mais vers l'arrière aussi, et engager les trapèzes dans toute leur amplitude. Donc, pas seulement vers le haut, mais aussi vers l'arrière. Et comme ça, il y a un maximum d'engagement du trapèze. Et c'est tout pour la séance d'épaule aujourd'hui. J'espère que ça a plu. Laissez des commentaires si vous avez des questions. Je vais essayer de faire d'autres vidéos cette semaine, un peu plus informatives en dehors de la salle. J'ai plusieurs sujets que je voulais aborder. Là, j'ai de nouveau. Juste avec l'hiver, c'est un peu compliqué, on n'a pas beaucoup de lumière. Il fait sombre dans mon appartement, la lumière pas naturelle, pas l'idéal. Donc, on va essayer de faire ça suffisamment tôt pour avoir du contenu avec une lumière qui soit suffisamment bonne, pour que ce ne soit pas trop pénible à regarder. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça ces prochains jours, on est mercredi. Donc, voilà. Plein de vidéos qui arrivent vers vous, j'espère. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez aborder, je sais que vous voulez que j'aborde de la nutrition, je vais en parler. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, merci à tous et à la prochaine.